Je suis James Noël, poète, écrivain, né en Haïti en 1978. Je suis le directeur de Passagers des Vents. Passagers des Vents, c'est la première structure de résidence artistique et littéraire en Haïti qui a pour point de chute Port-Salut. Port-Salut est situé dans l'extrême sud d'Haïti. C'est un village qui a pour vertu justement d'avoir les plus belles plages d'Haïti. Donc à Port-Salut, ça baigne. Et là, le lieu de la résidence comporte 4 chambres qui portent des noms de vent. Nous avons déjà accueilli pour la première session 4 résidents internationaux, des artistes internationaux avec des artistes haïtiens. Et eux-mêmes, ils seront en contact, ils seront en lien avec des jeunes, des lecteurs, histoire de favoriser l'émergence d'autres talents. Nous avons déjà accueilli justement des artistes arrivés, qui arrivent d'Italie, de France, du Danemark, du Congo. Mais vraiment, l'idée, c'est d'amener tous ces vents qui viendront s'arrimer à Port-Salut, loin du bruit et de la fureur de Port-au-Prince, où il y aura quand même des rencontres avec la population, et puis histoire aussi de rencontrer l'autre, parce que ce projet, vraiment, c'est un projet de dialogue, vraiment, pour en finir avec cet Haïti qui tend la main pour demander. Ça, c'est l'Haïti qui offre l'Haïti de sa toute puissance poétique, créatrice, qui ouvre ses bras. Et il y aura une prochaine session en janvier et prochain, avec des artistes arrivés encore de différents pays, et puis qui seront à chaque fois en contact avec d'autres artistes. Je laisse le soin justement aux derniers pensionnaires de Passagers des Vents de s'étendre sur leur expérience en tant que pensionnaire, en tant que résident à Passagers des Vents.